Gamma. Ici Grand Sorcier. Tu me reçois, petit lion? Ici Petit Fion. C'est bon, Grand Sorcier. Non, Sly. Je suis Grand Sorcier. Et toi, Petit Lion? C'est comme tu voudras, Grand Sorcier. Non, je... Oublie. Tu fais vraiment aucun effort. C'est pas faux ce que tu dis. Bon, Bentley, c'est ta toute première mission sur le terrain, mais tâche de rester relax. Si on veut retrouver les morceaux de Clockwork, faut être super discret. Alors maintenant, donne-moi ta position. Bien, je me trouve actuellement dans le sous-sol. Mais pour que je rétablisse le courant dans l'ascenseur de service, il va falloir que tu l'actives depuis le poste de sécurité. Sois patient, ça peut être long, tant que je trouve un moyen de monter. Ok, j'ai ressoudé les fils. Taille ! Attends, on y est. Ok, ok. J'accède à ce système de sécurité. Projecteur hors circuit. Et voilà pour les lasers de sécurité. J'attaque la porte de sécurité. C'est bon, la voie est libre. Super! Pour une première mission, tu t'en sors bien. Ouh, mais cette opération est loin d'être terminée. Maintenant que les lasers et les projecteurs sont coupés, Murray devrait être en position pour le rendez-vous. Vas-y, Sly. Moi, je t'aiderai d'ici avec mon ordinateur. À l'attention dans tous les gardes. Ici l'administrateur réseau. Nous sommes actuellement en train d'installer de nouveaux logiciels de sécurité. Alors, ne vous inquiétez pas, certains systèmes risquent de se couper provisoirement. Merci. Faites tous du super boulot! Si mes informations sont bonnes, les morceaux de Clockwork seraient stockés là-haut. Mais pour y accéder, tu dois d'abord retrouver Murray au point de rendez-vous. Le seul hic, c'est que le jardin que tu dois traverser est plein de gardes! No Susai, je vais prendre le Ralongjai. Pour mémoire, tu dois sauter et appuyer sur la touche cercle pour utiliser les cordes. J'espère que mon entrée super cosmique t'a pas fait mal. Non, Murray, je t'avais senti venir. Bien, bien. Parce que l'hippopocrash, c'est une vraie machine à détruire. Dévastatrice. Cool. Tu pourrais utiliser cette énergie pour ouvrir la porte de sécurité? Bien sûr. Rien ne résiste à la Murray Pélion. Ok, c'est bon. Un autre obstacle te barre la voie. N'aie crainte, Murray va arranger ça pour toi. Beau boulot, Murray. T'es vraiment en forme. Mais cette ficelle va jamais tenir le coup avec mon corps d'athlète. Vas-y, toi, et débloque les portes de l'intérieur. Je t'attendrai dans le couloir pour t'aider à sortir tous les morceaux de Clockwork.
Je n'y comprends rien. Les morceaux devraient être ici. C'est très étrange. Nous devons absolument interrompre la mission tout de suite. Plus un geste. Inspecteur Fox, vous êtes plus belle et plus imprévisible que jamais. Et vous, vous êtes tellement prévisible. Vous revenez toujours sur les lieux du crime. Crime ? Mais je n'ai encore rien volé, pour le moment. Ah, vraiment ? Alors, où sont les morceaux de Clockwork qui ont disparu ? Toi, t'as un mobile ? Quoi ? Les morceaux ont déjà été volés ? Ne fais pas l'innocent. Mais il l'est peut-être, Carmelita. L'intrusion et toutes les blessures infligées aux gardes rappellent plutôt les méthodes du gang de Clow. Le gang de Clow ? Sergent Nella, si je vous autorise à m'accompagner, c'est pour faire plaisir à la comtesse. Je n'ai vraiment pas besoin de votre aide. J'en suis pas si sûre. Les faits sont là. Quoi ? Sly Cooper est là ! Prie la main dans le sac ! Je dis juste que tous les crimes ne sont pas forcément... Sly Cooper ! Arrête-toi ! Rends-toi ! On se retrouve au point de rendez-vous. Carmelita, toujours aussi remontée. Elle est si belle quand elle se met en colère. Et le sergent Nella. Son allusion au gang de Clow, était-ce vraiment involontaire? C'était très étrange. Bref. Nous devons retrouver les pièces manquantes de Clockwork. Clockwork, qui jalousait le clan Cooper et leur réputation de grands voleurs. Je ne suis pas du genre à en rajouter, mais c'était un monstre. Si, si, je te jure. Quel genre d'individu peut vivre plusieurs siècles avec pour seul but de dessiner la lignée entière d'une famille rivale? Il faut vraiment une sacrée dose de haine pour prendre la décision de changer son corps mortel en une machine sans âme. Mais son choix a porté ses fruits. Clockwork avait tout. Il a eu mes parents. Pour moi, ce fut l'orphelinat. C'est là que j'ai connu mes potes. Bentley, le cerveau de la bande. Et Murray, le costaud. Ils sont devenus ma seule et unique famille. Depuis 2 ans, tout ça semblait fini. Mais j'aurais dû me douter que cette haine ne pouvait pas s'éteindre sans passer. Le revoilà. En morceaux, certes, mais la menace est réelle. Le gang de Clow, sait-il vraiment ce qu'il a voulu ? J'ignore ce qui va se passer. Mais je refuse de dire encore la même chose. Je viens d'intercepter un message de Dimitri. Il a demandé à ses gardes de sonner la cloche dès que la voie sera libre.
Mais libre de quoi? Ça, je n'en suis pas sûr. Sonne la cloche et suis-le sans te faire repérer. Alors on trouvera peut-être ce qu'il cache. Imaginez que tu l'as vu en train de taper ce code secret. Tiens donc, on dirait que cette porte mène à la pompe à eau du club. Voilà qui pourrait nous être très utile. Ok, Bentley. Pour passer la clôture laser, fais-la exploser. Appuie sur la touche triangle pour poser une bombe, puis dégage vite avant qu'elle n'explose. Hey Bentley, comment s'est dit donc que ça se passe pour toi? Eh bien, tout va bien. Je dois juste faire sauter les piliers de cette boîte de nuit, et après, je file. Pourquoi tu veux faire ça? Ça endommagera inévitablement les fixations de l'enseigne du club. Bon, tu verras bien, je dois m'activer. Fais gaffe à toi!
Bentley, on a senti les vibrations jusqu'ici. Et tu avais raison, la moitié des boulons de l'enseigne a sauté. Murray, ces sirènes d'alarme vont alerter Dimitri pendant notre cambriolage. Il y en a trois à trouver, et je veux que tu te charges de les démolir. Hé, hey, Bentley, je comprends pas, il y a trois reines ou six? Oh, j'aurais dû me douter que cette mission n'était pas faite pour toi. Bah, détends-toi, je disais ça pour rire, mais quelque chose me dit que t'en as pas vraiment envie. T'inquiète pas. Le grand Murray va vaincre le chant de ses sirènes et sortir vainqueur! Oh.
Sly. Voici les boîtiers d'alimentation reliés à la zone de presse. Pour bien faire, il faudrait que tu places une vérolette dans ces projecteurs. Désolé, Bentley, mais ces ventilateurs vont carrément trop vite. C'est ce panneau de commande qui les contrôle. Mais tu vas devoir faire quelques poches pour y accéder. Méfie-toi des gardes équipés de torches rouges. Ils communiquent sans cesse par talkie-walkie. Et si tu te fais repérer par l'un d'eux, ou si tu l'attaques, la mission sera ratée. Pour faire les poches des gardes, glisse-toi derrière eux et appuie sur la touche cercle. Continue de fouiller. Tu trouveras peut-être autre chose. Ça devrait aller.
La salle de la presse n'est plus sécurisée du tout. I haven't stolen anything. Yet. Thunderflop! Let me at that security computer. Presto, all clear.